Ou bonsoir, on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Donc la dernière fois j'avais lancé une mission et quitté juste avant comme à mon habitude. Ah, ok, donc là on entre en zone interdite. Donc oui j'aime bien faire ça comme ça, je trouve que ça s'enchaîne plutôt bien, c'est cool. Donc alors là on doit localiser le gardien pour faire je sais plus quoi, depuis la dernière fois je me rappelle plus trop. Enfin bref, on va improviser, donc là... Je vais équiper mes lames. Alors, mes lames d'assassin, voilà, c'est bon, c'est ça. Hop. Hop, viens par ici, toi. Merde. Est-ce qu'il m'a vu? Putain, c'est un guignol, genre, il m'a pas vu là. Tu te fous de ma gueule. 3 balles. Hop, bye bye. Alors, est-ce qu'il y a des copains dans le coin? Non. Donc on va équiper les fumigènes. Et en secondaire, les... Enfin les trucs d'assassin. Ok alors, hop hop hop. Là le gardien c'est par où? Est-ce que j'ai pas mis un tigaliche? Ah il c'est par là-bas. Ok, est-ce que je vais avoir le temps de galoper et de lui mettre dans les fesses? Oui c'est bon. Hop, tac 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 tac. Là j'aime bien By Night comme ça en mode infiltration, c'est stylé. Hein. J'aime bien justement, là ils font de plus en plus de jeux moins bourrins, plus réfléchis. Alors là, attends, lui il va me spot. Ah non, c'est bon. Alors. Attendez, je remets bien mon casque, 2 secondes. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Ok, donc on va faire la vision deck, parce que By Night, j'avoue que. Appuie sur. Non, non, non. Depuis une cachette, un coin ou une zone de track, appuie sur eux pour siffler et attirer l'ennemi. Ok, ça c'est frais. Donc lui il a la clé. Il y a un gars là. Là il y a personne. Ok, mais si je siffle, est-ce que ça va pas attirer ce motherfucker? Donc c'est pour ça, je vais me mettre là-dedans. Et on va faire un assassinat. Hop, voilà. Impeccable. Maintenant on va siffler ce motherfucker. Ah, je vais avancer, je vais me mettre. Ah non, il vient, 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 il vient. Oh. C'est bon. Alors lui, voler la clé. Je vais essayer de lui voler sans lui. J'aime bien le petit sifflement et le. Récupérer. Hop, 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 hop. Bim. Donc, c'est bon. Ah, c'est pas cool ça. Merde, je peux pas passer par là. Et pourquoi il assassine pas lui, guignol? Je suis dans un cul là, les enfants. Je suis dans un cul. Je prends ma couvert. On attend que le niveau de suspicion baisse. Normalement, c'est bon. Là. Bon, on va avancer, on verra bien. Et guignol. Et c'est un guignol lui des fois. Hein. Bim. On va se mettre là-dedans. On va assassiner ce motherfucker. On sort par là-bas. Oh, c'est pas cool. Ah, c'est bon. Putain, j'ai eu chaud. Allez, rapproche-toi. Je suis spotted. C'est sûr. C'est des guignols, pourquoi ils m'attaquent pas?
reprend les épées. Putain, le gars, je l'ai transpercé, mais violent. Ok. Ah, il m'a vu, mais quel guignol, moi. Tiens, enculé. Là, à chaque fois, une balle. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y a un truc à aller chercher en haut? Non, même pas. Bon, au début, j'avais été en mode furtif, mais là, non, tant pis. Hein. Putain, ce décor, il me dit trop quelque chose dans Assassin's Creed Revelation, je crois. Hop, ouvrir la porte. Donc ils se sont fait décimer apparemment. Bastaya. Quel est ton vrai nom, Vaurien? Ah genre, je me suis fait spotter de bout de trois missions. Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage? Est-ce toi qui l'as libéré? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. Aïe. Dur. Alors, ne prenez pas part au combat. Tuez les gardes depuis des zones de track. What the fuck? J'en ai tué au moins trois, hein. Deux fois dans un foin et l'autre... Bref, j'ai pas compris. Quel spectacle lamentable! Cet ivrogne est un homme fini, Caroline. Incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffriras. Père! Père! Allez, Edward. Relève-toi. Ce vieux misérable, il se trompe sur moi. Je l'espère bien. Tu me crois, toi, au moins? Tu m'imagines pas, sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port? Ah, c'est sa femme, moi, je comprenais pas. Et moi, je serai un homme respecté. Des milliers de doublons tomberont de mes poches. Comme des gouttes de pluie, j'en suis certain. La scène, commettez-la rapido. Tu as faim? Les gars se sont libérés en 2-2. Qu'est-ce que t'as en tête, mon ami? Ah, je suis un clan, putain. Hop, bye. Est-ce que je peux ramasser leur gun? Bon Dieu, la mer est grosse aujourd'hui. Ah oui, donc là, je suis sur le bateau direction Séville. Mon Dieu. Ah, je l'avais pas assassiné. Alors, ramasser arme, nickel. Putain, mais il est bugué là, hein. Ramasse-moi cette fucking arme. Voilà, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouh, y a des messieurs. Tchuss!
Hop. Ah, je pensais que j'ai perdu tous mes sous en plus, non, ça va. Donc c'est cool. Ah oui, quand je change d'arme, je perds un... Oh, ce que je t'ai mis, toi. Non, je peux pas passer par là. Malheureusement. Interagir. On peut pas voler un brick. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les. Et crois-moi, ils viendront avec nous. Donc, go libérer les prisonniers. Libérer tout ce qu'on voit et voler un navire rapide. Il y a un brick dans cette flotte, je vais le trouver. C'est des guignols ? Que je l'ai mis. Oh. Ok, donc les prisonniers sont où ? Tac 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 tac. Ah ouais, ils sont sur le pont. Ma générosité se paie. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. Elle est énorme cette mission. Oh. Bon allez, on s'attaque au prochain bateau. Ah mais c'est quoi cette blague? Je voulais pas faire ça. Donc là, c'est bon, au niveau du corps à corps, je commence un petit peu à m'améliorer. Ah. Recharge. Mais genre! Et le gars, j'appuie sur E pour... Putain, OMG. Dis-moi que ça m'a sauvegardé les premiers que j'avais libérés. Ah oui, c'est bon. Impeccable. Oh, c'est frais ça, je peux prendre une corde. Eh les gars, faut arrêter les conneries, hein. Une balle à bout portant, bye bye. Hein. Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. Alors je regarde le rapidement. Ok, ça fait déjà 16 minutes que je tourne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite corde qui traîne? Non, pas de corde. Enfin, c'est bugué, je passe à travers les cordages. Fuck. Au revoir. Au revoir. On va voir. Merde, qu'est-ce qui m'a tiré dessus là? Mais pourquoi je peux pas lui tirer dessus à ce gars-là? Putain, il y a une... c'est parce qu'il y a une hache? Ah, c'est un truc de dingo ça. Et là je vais dead, c'est obligatoire. Trop de gars aux alentours.
Allez, recharge. J'ai entendu tirer. Merde, je suis à main nue. Le gars il m'a mis quoi là dans la race? C'est un coriace le gars avec sa hache. Voilà, nickel. Bon allez, maintenant on va libérer les prisonniers. Hop. Merde, il y en a que deux à libérer là, c'est dommage. Un joli petit brick qui n'attend plus que nous, mes amis. Allez, plus que 4. Ah, il y avait des amos là. Hop. Putain, OMG, j'ai fait ça pour une balle. Ah, j'avais pas vu, il y avait une corde, j'aurais dû la prendre. Bon, tant pis. Tu sais, à chaque fois je suis en train de faire une animation, il y a personne qui m'attaque, comme c'est vachement réaliste. Hop, la double. Alors les prisonniers ils sont... Ah non, ça c'est le bateau que je dois voler, ok d'accord. Faut que je retourne sur les autres bateaux. Donc on va libérer les 4 derniers otages sur celui-ci. Par contre, est-ce que je peux monter? Ah oui, c'est bon. Impeccable. Wow, c'est nice. Bah attends, je vais me mettre en hauteur, ça va être vite fait bien fait. Hein. Genre. Allez, bye. On recharge. Oh putain, il y a des munitions à se faire là. Des sous. Et des sous. Ça fait plaisir. Ah, il y a encore des gars là. Bye. Le petit dernier. Ah, il n'y en a pas un dernier? Non, c'est bon. Allez, on va libérer les motherfuckers. Trick. Hop. Tchuss. J'imagine qu'il doit avoir un truc pour. Enfin, une aptitude pour recharger le gun plus vite ou avoir plus de balles. Parce que c'est vraiment horrible, c'est un truc de ouf. Chaque fois devoir attendre 10 piges pour recharger son flingue. Alors, ils sont où les prisonniers? Ah, bah cool, il y en a plein. On va grimper sur le pont. Tenez-vous prêts.
était passé par où? Par là, non? Merde. Je sais plus où est-ce qu'on était passé. Rejoignez le pont. Ah non, c'était de l'autre côté, sûrement. Mais oui. Mais oui. C'était de l'autre côté, exact. Alors, hop. Bon, allez, les gens. Come on. Maintenant, on doit aller kill le capitaine. Genre, y a pas eu l'animation. Allez, et on vole le navire. Tous à bord, les gars! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à main! La tempête vient sur nous! Vous pouvez le croire! Vous là, levez l'ancre! Les autres, la moitié au mât de misaine et l'autre au grand mât! On va mettre cet ouragan derrière nous! Garde un œil sur ces galions! Ils ne doivent pas nous attaquer! Aucun risque! Ils sont bien trop lents pour ce temps! Prêt à faire feu, capitaine! Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Putain, c'est énorme avec les vagues et tout. What the fuck? Oh, oh lolo, ce jeu est magnifique, les gens. Échappe à la flotte, bah vas-y, tchuss. Les affronter, je pars comme une grosse pute. Putain, mais les gars, attends. Les vagues scélérables peuvent endommager gravement. Attends, affroncez-les de face pour ne subir aucun dégât. A défaut, maintenez un pour réduire les dégâts. Okay. Ah, parce que là, la vague qui arrive, elle fait bader. Hein. C'est énorme, c'est putain d'énorme. Putain, tu sais, on dirait qu'il y a un tsunami qui m'arrive sur la gueule. Garde tes distances. Une tornade là, what the fuck. Non, deux tornades. Là-dessus. On passe à 5 mètres d'une tornade, les gars. À part ça, tout va bien. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Alors là, les contrôles, je peux vous dire que c'est hardcore. C'est vraiment un truc de malade, c'est hardcore. Bah, c'est hyper réaliste de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Hop, hop. Hop. Allez, plus que 900 mètres. Et on va quitter ce merdier. Accélérable sur tribord. Sur bâbord. Une trompe. Une vraie tornade, capitaine. Il y a une vague de dingo qui arrive sur nous là. Le tsunami, tu sais. C'est énorme. Je sais même pas comment le bateau il fait pour tenir. C'est quoi, c'est un bateau allié ça? Non, je crois pas. Hein. Non, non, c'est un bateau qui coule. Ok, donc c'est bon, on a passé cette fucking tornade. Franchement, il n'y a pas à dire, ce jeu est magnifique. Oh, là, j'en reviens pas, là, c'est vraiment... Je pensais que j'allais pas kiffer enfin, à ce délire de piraterie, mais franchement, j'accroche pas mal. Je trouve ils ont fait un bon mélange entre le gameplay d'Assassin's Creed qu'on connaît et le gameplay vraiment axé piraterie, qui est grave sympa.
J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. À dévoiler. T'es déjà allé à Nassau, à dévoiler ? Pas encore. Regarde ça, il a vraiment souffert, le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars ! On le ramène chez nous ! Mission accomplie. Alors, libérer 23 pirates, c'est done. Tuer les gardes depuis un coin. Ok. Donc les gars, on va se quitter là-dessus. Ça fait à peu près 30 minutes que je rec. Donc j'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé à jouer là, parce que vraiment c'était exceptionnel. Et puis, on se retrouve dans le next épisode. À bientôt. Ah, le oh merde, je reprends parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a une petite cinématique. Je vous laisse enjoy. Une petite créature sombre, non ? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi ? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors, quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté ? La place de quartier maître. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine ? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant l'assaut. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller. Voir quelques caisses dans la cale de la poule. Voilà, donc là on se quitte pour de vrai. On se retrouvera exactement à ce moment-là. Et voilà. Allez, salut.